Bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de l'événement merveilleux mariage qui est terminé maintenant. Je voulais vous présenter cette dernière vidéo. Il me restait 16h42 avant de boucler cet event, un seul élément à acheter. Alors, 2h30 plus tard, un nouveau ramassage d'objets artisanaux. Et puis ensuite, cette fois, mes stations de fabrication d'objets en verre ont été réapprovisionnées pour 9 utilisations. Donc, bien sûr, je les mets tout de suite en route. Donc, résultat des courses à 15h19 de la fin de l'event, il me reste encore 4150 objets en verre à obtenir. 2h30 plus tard, cette fois, je peux ramasser des objets en verre. Donc, je suis à 12h49 de la fin de l'event. Je remets immédiatement mes stations de fabrication en route pour la nuit cette fois. Donc, 1260 objets en verre x2 que j'aurai au bout de 8h30. Et puis bien sûr, je mets l'intégralité de mes stations de fabrication en route, histoire d'occuper mes Sims de toutes les façons, d'être encore dans l'event. Donc ici, on va faire un petit point. J'ai eu donc 1240 objets en verre en plus. J'en ai maintenant 2630. Il m'en manque encore 2870. Alors on se retrouve le lendemain matin à 3h09 de la fin de l'event. Je ramasse tous mes objets artisanaux. Tout simplement. Donc ici, faut pas perdre de temps. Il me reste quand même que 3 heures avant la fin de l'event. Donc je ramasse mes 2 x 1260 objets en verre et je remets mes stations de fabrication en route pour 2h30, ça passe puisqu'il me reste encore 3 heures d'event, il faut simplement être au taquet. Alors ici, je suis à 5150 objets en verre ramassés, je vous l'avais dit, il m'en manque seulement 350 à 3h08 de la fin de l'event. Alors ici, je pouvais éventuellement acheter les objets de verre manquants en points sociaux. Donc, si le temps avait été trop court, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais dépensé 5 points sociaux pour gagner l'event. C'était pas le moment de rater cette chance. Mais là, comme j'ai encore 2h30 de ramassage et que ça couvre le temps de l'event, je garde mes points sociaux et je vais au bout de l'event sans rien dépenser du tout. Alors, sous vos yeux, je vous montre les multiples objets que nous avons débloqués grâce à cet event dans notre boutique de décoration. Énormément d'objets gratuits, un objet gratuit en exemplaire, mais ensuite vous avez aussi des coiffures. Donc, je ne vous avais pas montré les coiffures courtes pour hommes. Donc, en plusieurs coloris, vous avez 2 coiffures courtes. Et vous avez aussi 2 types de coiffures cheveux longs pour hommes, pour nos hommes mariés. Voilà les coupes longues. Donc ça fait toujours du contenu en plus dans notre jeu. C'est ça qui est très agréable avec ces events. C'est que de toutes les façons que vous finissiez ou pas, il faut prendre tout ce que vous pouvez obtenir tout ce que vous pouvez obtenir. Et puis vous verrez à la fois suivante, si vous êtes fidèle à votre jeu, je vous le dis tout le temps, vous aurez la possibilité de reterminer ces events. On vous les repropose. Enfin, en tout cas, c'était la politique actuelle. Moi, je vous le souhaite aussi. Alors, à 0h38 minutes de la fin de l'event, je suis au taquet. Je surveille, bien entendu, mes stands de fabrication. Je n'ai pas envie de perdre cet event. Ce serait trop bête. Donc ici, j'ai plus qu'il ne faut d'objets en verre pour terminer cet event. 6434 objets en verre. Cette fois-ci, j'avais tout mes objets artisanaux requis, même mes jetons de construction. Donc je peux acheter la collection Demoiselles d'honneur et Garçons d'honneur numéro 1 qui me manquait. J'obtiens donc ainsi tous les objets qui me permettent de débloquer le bâtiment cérémonie et réception de mariage. Je le réclame, bien sûr. Et puis voilà, vous avez débloqué le modèle de maison cérémonie et réception de mariage. Donc je tapote pour continuer. Maintenant, à partir de là, une fois que vous fermez votre menu, tout se termine. Vous ne pouvez plus avoir accès à vos stands de fabrication.
L'événement est terminé, vous avez obtenu tout le contenu de l'événement en direct merveilleux mariage. Les ressources en surplus sont échangées en Simflouz, donc voyez, le travail de vos Sims n'était pas perdu. Les jetons de construction ne rapportent rien, hein, donc ça, c'est pas, enfin c'est à savoir. Donc ici sur un terrain résidentiel normal ou de luxe comme ici, eh bien vous pouvez construire votre terrain de mariage. Alors le temps de construction dépend bien sûr du nombre de bâtiments que vous avez déjà construits dans votre ville. Donc plus vous êtes au début de votre jeu, eh bien moins le temps de construction est long. Comme moi, eh bien là ça fait seulement 16 heures de construction. Les bâtiments gagnés dans des events sont gratuits, alors faut profiter de les installer. Ça vous permet de pouvoir ajouter un Sims très facilement. Alors dans la boutique de décoration, les nouveaux objets qui se sont ajoutés, un set d'instruments de musique, 3 étoiles, alors ça c'est bienvenu. Une magnifique cuisine aussi, 3 étoiles. Donc vous avez aussi les tenues de garçon d'honneur et de demoiselle d'honneur. Assortie, donc 3 tenues, donc dans 3 couleurs différentes. Donc eh bien ça y est, mon bâtiment est maintenant prêt 16 heures plus tard, et comme je vous le disais, eh bien ça va me permettre d'ajouter un Sims facilement. Donc je vais ajouter une demoiselle. Et puis, bien, pour faire plaisir à Yacine, je vais essayer de la faire ressembler à Nadège de Secret Story. Mais alors là, je ne sais pas si je vais y arriver. En tout cas, Yacine, c'est pour toi, c'est pour ce que tu m'as demandé. Mais écoute, ma foi, je ne sais pas si je vais réussir le pari. Alors en tout cas, voilà ma Nadège. Je ne sais pas si ça te convient. Donc à partir de maintenant, eh bien, je vais aussi ajouter un Sims pour le faire ressembler, alors je ne sais plus, moi c'était Steven d'Alliage. Écoutez, ça c'est pour vous faire plaisir, c'est une demande exceptionnelle, ma foi, moi ça ne me dérange pas. Voici ensuite, eh bien, le mariage de ces deux personnes que j'ai imaginé avec, eh bien, comment on va dire, les moyens du bord.
Thank you.
Et bien voilà, mon histoire s'achève. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu, bon Sims.